Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Bug Me More. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 5 de notre calendrier de l'Avent. Comme convenu, on a fait un petit test juste pour vous, pour savoir si vous méritez des cadeaux cette année. Mais bien sûr que je mérite. On ne sait pas, c'est ce que le test va faire. On va J'ai pas voir. besoin de tout test pour savoir. Ce que le test va vérifier, c'est un petit test qui va être très court, parce qu'il n'y a que 5 questions et 3 possibilités. Question 1. Oui. Cette année. Oui. Réponse A. J'ai été un membre exemplaire de la communauté. J'ai aidé les aveugles à traverser les passages piétons et j'ai nourri les canards tous les jours en allant au travail. Faut pas nourrir les canards. Mais si, on peut. C'est dangereux pour la C'est santé. les pigeons qu'il faut pas nourrir. Question B. Je rush tous mes devoirs 5 minutes avant la fin. Question C. Réponse C, je veux dire. J'ai été banni de LoL pour la 15e fois pour avoir indiqué à mes coéquipiers qu'ils auraient dû mourir du cancer, mais avec de bonnes intentions et toujours dans la bonne humeur. Et en insultant le mien. Non, dans de bonnes intentions. Moi, je pense que c'est la réponse A, parce que je suis quand même quelqu'un d'exemplaire. Tiens à le souligner. Et puis, je fais pas mes devoirs à la dernière minute. Toi, tu peux pas te devoir la dernière minute. Toi, tu répondrais quoi, toi? Moi, je répondrais B, comme ce questionnaire. Que tu fais tes réponses. Que tu fais tout à la dernière minute. Oui, et il me fut un temps où tu faisais aussi tout à la dernière minute. Hein? Voilà, donc surtout, notez bien vos réponses dans les commentaires, parce qu'à la fin, il y aura une petite synthèse, on vous dira si vous méritez des cadeaux, si vous méritez une paire de claques, ou bien si vous méritez, je sais pas, autre chose, on verra bien. Question 2. Question 2, ce mois-ci, ma maison est déjà décorée. Et j'ai même fait une crèche à échelle humaine avec des vrais animaux. Oh non, non, je pense pas que le chat accepte, hein. N'y avait pas de chat de toute façon dans les crèches. C'est vrai. Il aurait fallu tuer le chat. La maison n'est pas prête pour Noël, mais j'ai déjà pris la cuite du réveillon 3 fois. Ou bien, réponse C. Désolé, pas le temps de décorer. Je dois choper les skins de Noël sur Overwatch, les HF du voile d'hiver sur WoW et mes icônes d'évocateur sur LoL. Noël peut attendre. Je pense Toi, c'est la réponse C. que c'est la réponse La réponse C, voilà, exactement. Elle n'est pas associée des fois. Question 3. Pour le 24 décembre, réponse A. Une grande table sera dressée pour au moins 20 personnes. Bien sûr, toute la famille est invitée. Même l'oncle Gérard, surnommé GG Drama depuis l'année dernière. C'est foutu, sur notre table, il n'y a que 4 places. Et du bon champagne pour minuit et plein de cadeaux attendront tes convives. Réponse B. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut préparer. Le dernier Noël dont je me rappelle, c'était celui de mes 15 ans. Depuis, c'est le trou noir complet. Voilà, ça arrive. Ben oui, un blackout de plusieurs dizaines d'années, ça arrive. Non, mais c'est chaque année, tous les 24 décembre, je ne me rappelle plus. D'accord. C'est pas des... Non, c'est pas depuis 15 ans, je ne me rappelle plus. Hein. C'est chaque année, le 24 décembre, je ne me souviens plus. Ça n'existe pas, sinon c'est... C'est différent. Ça ferait une bonne série, ça. Tous les 24 décembre, tu oublies. Ou bien réponse C. Je descendrai à l'occasion prendre une part de bûche de Noël et à minuit, au cas où des cadeaux m'attendraient sous le sapin. Mais aujourd'hui, c'est double XP sur Final Fantasy XIV. Et Noël, de toute façon, c'est trop commercial. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Le test ne porte pas sur moi. Le test porte sur toi. Si tu mérites des cadeaux. Ben, disons qu'une grande table serait prête chez moi, mais notre table, elle est toute petite. C'est pas grave, une grande table dressée pour 4 personnes. C'est bon, vous avez fait votre choix sur la vidéo? On passe à la suite maintenant. Question 4. Attention, des questions nouvelles que Tosaka ne connaît pas encore cette fois-ci. Oui. Mes C'est pour résolutions. ça que tu caches la feuille. Mes résolutions pour l'année dernière. Je les ai tenues. Non. Tout le monde connaît mon nom à la salle de sport. Et j'ai économisé 500 euros en arrêtant de fumer. 500 euros que, bien sûr, j'ai reversé aux œuvres caritatives. Bah oui, parce que tout le monde sait que quand on arrête de fumer, on devient milliardaire. Ah ben la communion, on peut économiser beaucoup d'argent en arrêtant de fumer. Réponse B. Mes bonnes résolutions, j'ai tout fait pour essayer de les tenir. J'ai lutté encore et encore. Mais le 2 janvier, j'ai tout arrêté, trop de pression. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous. Réponse C. J'avais visé Silver 5 dans LoL, finalement je suis Silver 4. On peut dire que cette année, je me suis surpassé. Je joue pas à LoL. C'est pas grave. C'est qu'on va dire B. On va dire B pour toi. Ok, d'accord. Moi j'aurais mis... Oui, j'aurais mis B aussi, tiens.
Oui, toi, tu aurais été silver, rien du tout, toi. Rageux comme tu es, tu aurais été bronze. Moi, j'aurais été 12 000. Moi, j'aurais été ban dès la première question, moi. Question 5, maintenant, question bonus, qui va faire appel à votre enfance. Quand j'étais petit, je me demandais si j'allais recevoir mes jouets préférés. Réponse A. Quand est-ce qu'on allait manger? Réponse B. Et si Noël pouvait finir en avance cette année parce que je vais aller jouer le 24 décembre, c'est le jour des recettes des raids. A et B. Je peux pas avoir plusieurs questions. A et B. Voilà, donc maintenant si vous avez toutes vos réponses, je vous invite à les noter dans les commentaires. Et du coup, on va faire une petite synthèse ensemble en live parce que j'ai rien noté. Génial! La vidéo va durer 150 ans. Moi, je cherche mon chocolat. Si vous avez majoritairement des réponses A, bravo, vous êtes un bon marmaille, vous méritez des cadeaux et vous n'en aurez sûrement pas parce que trop bon, trop con. Réponse B, c'est vachement gentil. Vous êtes un marmaille dans la moyenne. Vous méritez des fois deux paires de claques, des fois des bons cadeaux. Vous aurez sûrement la console que vous voulez. Réponse C. C'est le jour 5? Oui, c'est le jour 5, ouais. Je sais plus quelle date on est. Je sais plus. Oh non, j'ai abîmé le... Ah, oh, chouette. Réponse C. Vous obtiendrez les cadeaux que vous voulez sur votre jeu préféré, mais sûrement pas dans la vraie vie. Voilà, c'est tout pour ce questionnaire. Bah oui, après, si on a pris que la réponse C, on est un peu asocial, hein, donc bon, de toute façon, on n'a pas d'amis, on a pas notre famille nous a oubliés. C'est pour ça, on recevra que le cadeau qu'on veut, mais dans le jeu, pas dans la vraie vie. Merci. Il est prêt avant parce qu'il est malade. Ça s'entend, non? Je suis un malade. J'aime pas celui-là, il est pas bon. Moi, j'aime bien. C'est un peu Cool Shen, mais en noir. Comme le rappeur. Cool Shen était blanc. Tout est dans la répétition de la blague. Enfin, il était. Il est toujours blanc. Allez, chute hein. La prochaine vidéo, on fait quoi? On va tirer maintenant la prochaine vidéo. Papier vert. Oh non, on reconnaît papier vert. Comme mon t-shirt d'avant-hier. Je trouve pas. Il est où l'entrée? Non, je fais. Non, on prie pour que ce soit un bon DIY de Tosaka. Non, ça suffit, ça m'a pris. Ça a pris toute la journée d'hier. Parce que même si elle n'a pas choisi la réponse B, elle a quand même fait son DIY à la dernière minute, le jour même où il fallait faire. Ah, c'est une... C'est une quoi? C'est un test, non. C'est une présentation. C'est une présentation de Resident Evil. Waouh, trop bien. 8, je veux dire, oui. Je sais plus. J'ai juste écrit Resident Evil, alors du coup... C'est pas grave. Donc vous voyez pour Resident Evil Gold Edition qui va sortir très bientôt sur PlayStation 4, Xbox, PC et tout ça. On vous en parlera plus demain. En attendant, prenez soin de vous et mangez bien vos chocolats de votre calendrier de l'Avent. Et à bientôt. À bientôt.